Ok, bienvenue sur ce tuto francophone pour le clothing tool. On a deux mèches, une hampe, le drapeau lui-même qui sera le tissu, le clothing. On a ce squelette, très simple. Il faut absolument que ce soit un squelette à mèche. Le clothing tool ne fonctionne pas avec les static mesh, c'est-à-dire les mèches sans armature. Donc ça, ce sera pour le drapeau et ça pour la hampe. On va eh bien on va les rejoindre. Alors CTRL J. Donc ils sont à nouveau ensemble. À la base ils étaient ensemble, mais ils sont à nouveau ensemble. Maintenant, à l'intérieur de l'edit mode, ça reste deux mèches séparées. D'accord. Donc maintenant, c'est beaucoup plus simple pour le parenter au bone. Je lis le bone. Je sélectionne les deux. Je clique sur. Je fais CTRL P. With automatic weight. Non. With empty group, c'est mieux. Ensuite, je vais là. Dans vertex group. Ou vertex. Enfin bref, vertex. Ici. Et donc, on a deux groupes. Le groupe pour ce bone-ci. Donc, on va faire X-ray name. Donc là on voit bien bone et bone 01. On sélectionne à nouveau le mesh. Alors voilà, ce qu'on peut faire c'est ça, c'est pas mal, vous allez voir. Donc on sélectionne à nouveau le mesh. Donc on a bone, on sait que ça correspond à la hampe. Donc on fait edit, on va en edit mode, on a déjà la hampe de sélectionner, super. On fait assign. Ensuite, on sélectionne ce mesh là pour le bone 01. On clique sur bone 01 et on fait assign. Et maintenant c'est bon, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Maintenant, voilà. Voilà, donc maintenant on va exporter tout ça. Allez hop, on exporte. Donc on prend les deux, le mesh et le squelette. On va dans export, c'est super important, sélectionne FBX, selected object coché. Hein. Selected object coché, géométrie tout de coché jusqu'en bas. Bon, ici smoothing face, comme ça vous n'aurez pas de souci avec une réal, il ne vous donnera pas de message no smoothing face. Amateur only deform bone, on n'a pas besoin des leaf bone, ça risquerait de compliquer notre vie et ça complique la physique aussi. Donc on a tout ça, voilà, on va lui donner un nom, flag, voilà, on va faire un peu d'anglais. J'envoie ça directement sur mon desktop, mais peu importe où je l'envoie, de toutes les façons. J'ai juste à aller dans Unreal, je sélectionne un port, ok. Je retrouve mon flag sur mon bureau. Je fais ouvrir et j'apporte tout. Et voilà, comme vous avez pu le remarquer, pas de message no smoothing through. Par contre, il me dit juste que la lampe n'a pas d'UV. Bon, c'est normal, on n'a pas mis de texture, on n'a pas fait d'UV unwrap, on n'a pas. Ouais, on n'a pas un wrap. Donc voilà notre flag. Ok, il est un peu grand. Bon, c'est pas grave. Bon, ok. Maintenant, on va dans Skeletal Mesh. Hop. Et alors, je vais dock ça là. Ça sera beaucoup plus simple. Donc, vous arrivez ici. Vous avez votre drapeau. Et Unreal a bien séparé les deux objets. Vous allez dans Asset Details, vous sélectionnez ça, le petit bonhomme, Section, Selection. Et vous voyez, Unreal a bien séparé les deux. Unreal a bien séparé donc le drapeau lui-même de la hampe. Ok. À partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut aller dans. Ah oui, il faut faire un clic droit sur le drapeau, donc celui qui va devenir et non la hampe, donc un clic droit sur le drapeau, create clothing, on va donner à ça un nom, bon il m'a donné flag clothing, c'est parfait, on ne touche à rien d'autre, on ne clique pas là, on ne clique pas là, on laisse tout ça, pas de problème, on fait create, et il se passe rien, vous allez me dire, mais non, en fait il s'est bien passé quelque chose, on va dans activate cloth paint, et là, vous retrouvez ce que vous avez set justement dans le clothing data, donc vous retrouvez votre fichier flag clothing, donc c'est là,
et vous avez déjà donc le brush qui peut s'appliquer. Donc on va tout en bas et donc vous avez un choix de brush, mais moi je vais laisser le brush par défaut. Et donc alors strength tac maximum value à 100, on laisse, c'est la valeur pour créer le tissu. C'est parti. Ok, maintenant que c'est fait, c'est tout ce qu'il y a à faire en fait. Vous faites save et quand vous allez désactiver, directement ça va simuler le. Ah oui. Clic droit à nouveau, hein. Des clics droits sans arrêt. Apply clothing data. On retrouve donc avant, on a fait un create, on a déjà notre clothing data, donc on va dans apply maintenant. Voilà, ils aiment faire compliqué. Et voilà, on a notre drapeau. Et voilà, il est simulé. Il bouge. Il est vivant. Alors pourquoi il est transparent de ce côté? C'est normal. C'est parce que à la base, je l'avais importé avec une épaisseur. Je vais vous montrer. Voilà. Donc en gros, je l'ai exporté comme ça. Mais le mieux, c'est de l'exporter avec une épaisseur. C'est-à-dire, voilà, à la base, vous aurez dû. Voilà, je l'avais extrudé, mais j'avais retiré en pensant que ça changerait quelque chose. Enfin bref, ça n'a rien changé. Le mieux, comme je le dis, et je le dirai, et je cesserai jamais de le dire, une réale adore les mèches qui ont de l'épaisseur. Voilà, une réale aime les mèches en chair. Bref, je retourne dans dans une réale, et donc vous avez, vous dites que c'est terminé, mais en fait, il y a encore une autre chose à faire. On va dans physics et en principe là vous allez voir que c'est pas normal, il n'y a qu'un seul body physique et c'est celui qui a été créé pour donc il s'est mis en biais pour essayer de couvrir tout le mesh, mais on va le remettre, on va non, on va pas être touché d'ailleurs, on va cliquer sur le bone, il s'agit du bone principal en allant dans show ici bone, bone name et oligarchy. Là, vous voyez bien, donc, vous avez le premier et vous avez le second. Donc, on clique sur Bone et on va ici, on va faire un. Bon, je pense un capsule, c'est bon. Add Body. Voilà, parfait. Alors, on peut aussi faire un Single Convex Hull qui est un peu plus précis. Donc, là, ça colle bien au contour. Ensuite, on clique sur ce bone-là qui correspond à notre drapeau et on va faire un capsule. Voilà, on fait save. On peut faire simuler. Ah, non, c'est pas ça qu'il fallait faire. J'ai l'impression qu'il croit que le bone 1 est la racine. Ce qui n'est pas le cas en fait. C'est pas le cas. Alors, lock, save. Voilà. Voilà, donc j'ai lock les angulaires limites. Donc, la simulation va opérer à l'intérieur de ce volume. Donc, plus le volume sera grand et mieux ce sera. Par exemple, ça. Oh purée. Faut pas que je régénère. Voilà. Bien. Maintenant, on peut commencer à jouer et voir ce que ça donne en vrai. Voilà. Hop. Drapeau hein, qui bouge. En fait, vous verrez pas grand-chose si vous le touchez pas. Vous verrez l'animation se faire quand vous le bougerez. Donc, comme vous pouvez le voir là, ben, il est vivant. Après, pour tout ce qui est physique, tout ce qui est vent, j'ai pas encore regardé, mais j'ai remarqué que ça réagit, c'est pas super bien pour l'instant, mais il va falloir que. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. À la prochaine.